vivre avec le Christ. Voilà, c'est mettre le, enfin, non, accueillir le Christ, donc le maître, c'est pas nous qui le mettons, accueillir le Christ dans la vie concrète qui est la mienne, dans la vie la plus ordinaire et quotidienne qui est la mienne. C'est laisser respirer en soi la présence du Christ, permettre d'occuper le terrain en moi, le laisser respirer, le laisser occuper mon être, m'inspirer, m'aider à respirer, m'inspirer, de façon à ce que ma vie soit de plus en plus conforme à celle du Christ. Comme chrétiens, nous essayons de mettre le Christ en premier. Nous essayons d'abord de nous mettre à l'écoute du Christ, de suivre le Christ. Et si nous espérons un épanouissement personnel, c'est gratuit, c'est par cadeau. Ça se cultive, comme toute vie, ça s'entretient. On peut créer des conditions favorables à son développement, on peut aussi la laisser végéter en soi. Ça demande essentiellement du temps, laisser s'installer dans notre vie des moments de Shabbat, comme on dit dans la tradition juive, c'est-à-dire des zones et des moments de silence et des moments où on cesse d'être dans la maîtrise ou dans la tentative de maîtriser sa vie. Nous passons notre temps à essayer de maîtriser les événements, les situations, les personnes quelquefois, et nous-mêmes au premier chef. Eh bien, à certains moments, il faut accepter d'entrer dans une situation, se mettre dans une posture, se laisser mettre dans une posture de, disons, de passivité, d'écoute de la voix qui, en nous, vient de plus profond que nous, dont nous ne savons pas très bien d'où elle vient ni où elle va, et dont nous disons que c'est la voix de l'Esprit du Christ.